إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، donc inshallah nous avançons, nous continuons inshallah après cette petite pose, cette petite interruption, l'explication de Salathatul Usul, les trois principes, les trois fondements. L'auteur, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdel Wahab, rahimahullah, et l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. Donc ceci et le cours numéro 6. Naam. Donc on reprend le matn un tout petit peu avant où on s'était arrêté. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-'ilm qabla al-qawl wal-'amal. Wa ad-dalil fa'lam annahu la ilaha illa Allah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc l'imam Bukhari rahimahullah dans son recueil authentique, il a un chapitre qui est intitulé la science, la connaissance avant la parole et l'action, et le dalil. Donc ça, c'est la parole de l'auteur, hein, de Cheikh Mohammed, c'est l'épître de Cheikh, le matn de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et le dalil, c'est-à-dire la preuve à cela, il nous dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, et sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et demande pardon pour tes péchés. Voyez-vous. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab nous dit, il a commencé, Allah Ta'ala dans ce verset, a commencé par la connaissance avant la parole et l'action. Voyez. Cheikh Al-Fawzan nous dit, العلم قبل القول والعمل, la connaissance avant la parole et l'action. Puisque les actions, les œuvres
ne sont utiles que lorsqu'elles sont basées sur la connaissance, tandis que les œuvres basées sur l'ignorance, elles sont inutiles à la personne, mais plutôt elles sont un égarement pour lui, yawmul qiyama. Donc il faut absolument, nous dit Sheikh Al-Fawzan, il faut absolument prendre connaissance avant de pratiquer, de connaître, d'apprendre la science, hein, religieuse avant de passer à la pratique. Et la preuve à cela, aïe, à la tarjamat qawlihi, hein, dans l'introduction du cheikh, de l'auteur Mohammed ibn Abdelwahab, le dalil, la preuve à cela que la science avant la parole et l'action, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Mohammed verset 19, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et sache qu'il n'y a de divinité en vérité à part Allah. Donc on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder ici, il a dit sache, c'est-à-dire apprends, connais, la ilaha illallah. La première chose qu'Allah a mentionnée, c'est la connaissance. Et dans le verset, lorsqu'ensuite il dit, demande pardon pour tes péchés, wastaghfir, ceci, hein, la demande de pardon, ceci est une œuvre. Est une œuvre. Donc, on voit dans le verset que l'œuvre vient en deuxième. Fabada subhanahu bil-ilm, Sheikh Al-Fawzan nous dit, Allah Ta'ala a commencé par la connaissance avant l'action. Puisque les œuvres, hein, lorsque l'œuvre, lorsqu'elle est faite avec ignorance, elle est sur l'ignorance, dans ce cas, elle est inutile à la personne. Il commence, la personne doit commencer par la connaissance en premier lieu, puis œuvrer de ce qu'elle a appris. Et c'est ça le fondement. Et c'est ça le fondement, nous dit Cheikh Hafizahullah. Ensuite, nous passons à la suite du metn. Donc, bien entendu, hein, lorsqu'on suit un cours, il est bien entendu préférable d'avoir l'épître avec soi-même, hein, pour pouvoir suivre. Pour pouvoir suivre le cours, il faut avoir l'épître, hein, du cheikh, pas forcément l'explication, mais au moins avoir l'épître de Salafat al-Usul, c'est-à-dire tout ce que dit cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme ça on peut suivre et on est à la page, quoi. Ar-Risala al-Thaniya, donc la deuxième question, la deuxième chose. ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعلم بها والعمل بها عفوا والعمل بها. Alors, trois choses qu'il est obligatoire aux musulmans de connaître et de mettre en pratique. اعلم رحمك الله. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Alors, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et tout musulmane de connaître ces trois questions et de les mettre en pratique, d'œuvrer par celle-ci. Explication du cheikh. Qawluhu i'lam, donc ça, lorsqu'il dit sache, le cheikh, hadi al-kalimat, qulna fi ma sabaqa, innaha kalimatun yu'ta biha lil-ihtimam bima ba'daha wa ma'naha. طيب. Sheikh Al-Fawzan nous dit, nous avons ce mot, cette terminologie, i'lam, cette parole. Nous avons précédemment expliqué que celle-ci vient lors de quelque chose d'important, lorsqu'on va expliquer quelque chose
d'important et que ce qui va suivre est important, hein. Et son sens, ça veut dire qu'il faut être attentif, attentif. طيب. قوله رحمك الله. Donc lorsqu'il dit, l'auteur, lorsque l'auteur رحمه الله nous dit qu'Allah te fasse miséricorde, ceci est une invocation pour toi de miséricorde. Et le cheikh nous dit, c'est également comme on l'a vu précédemment, le fait que l'enseignant, il faut qu'il soit gentil, hein, qu'il soit doux, qu'il soit gentil avec ses élèves, avec ceux qui vont prendre la science, avec les apprentis. Et ceci, hein, il redit, est une invocation. Donc ceci fait partie des plus immenses causes, hein, pour l'apprentissage. Et il ne faut pas, le cheikh nous dit, il ne faut surtout pas que l'enseignant, hein, enseigne avec une forme qui repousse, avec la dureté et qui fait fuir. Taïb, qui fait fuir et qui fait les gens s'écarter de la connaissance. Donc ceci, bien entendu, indique aussi à une notion aussi de conseil, hein, de conseil, nahan, pour d'exhortation, à exhorter les gens de la part du shir, rahimahullah. وأنه يريد النصيحة والمنفعة وتوجيه السديد. Donc, cela veut dire aussi que l'auteur, lorsqu'il fait cette invocation, naham, c'est qu'il veut conseiller, il veut l'utilité, être utile et orienté dans le bien. Et orienté dans le bien. Voyez. Deuxième chose, قوله أنه يجب نعم qu'il est obligatoire, il est obligatoire pour tout musulman et tout musulmane. الوجوب معروف عند الأصوليين. Donc bien entendu, le cheikh nous dit l'obligation est connue, hein, chez les gens qui ont la science de la base. Des règles de la religion, des bases. L'obligation, hein, c'est une chose dont il faut absolument. Wajib, l'obligatoire, c'est une chose, celle qu'il faut, hein, obligatoirement qu'il faut absolument. وقد عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. Donc, bien entendu, hein, les gens, les savants qui connaissent bien les définitions et les règles qui régentent le kitab wa sunna, la législation, ont défini, ont donné la définition de l'obligation dans la législation. Alors, cette définition, l'obligatoire, c'est ma yuthab fa'iluhu, c'est-à-dire qu'on est, c'est ce dont on est récompensé lorsqu'on le fait. Wa yu'aqib tarikuhu, et on est châtié, hein, il y a un châtiment pour la personne qui délaisse cette chose-là, il y a un châtiment. Donc le faire, c'est récompensé. C'est quelque chose que lorsqu'on le fait, on est récompensé. Quelque chose que lorsqu'on le délaisse, hein, il y a un châtiment. Donc
Naham. Donc, dans la langue arabe, l'obligation, hein, c'est l'affirmation et la répétition. Mudjub kada, waqala ta'ala fi al-budn, fa'idha wajabat junubuha. Donc, le shaykh, rahimahullah, nous apporte un verset pour venir appuyer cela, c'est-à-dire la parole d'Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis lorsqu'il gise sur le flanc, lui lorsqu'il gise sur le flanc, aïe, saqatat ala al-ard. Hein? Donc c'est-à-dire, là on parle dans la langue arabe, hein, c'est-à-dire lorsqu'elle est tombée, lorsque la chose est tombée sur la terre. Taïb. Fakulu minha wa at'imu. Il donne un deuxième exemple, Sourate al-Hajj, verset 36, Naham. Mangez-en et nourrissez-en. Fakulu minha wa at'imu. Donc ça c'est dans la langue arabe. Ça c'est dans la langue arabe. Ensuite, فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit, sa parole, la parole de l'auteur, lorsqu'il dit, il est obligatoire à tout musulman et tout musulmane, le terme, lorsque l'auteur utilise le terme obligatoire, yajibu, cela indique, cela nous indique que c'est une chose qui n'est pas, hein, qui n'est pas préférable, mais obligatoire. Préférable dans le sens, celui qui veut la faire, il la fait, celui qui ne veut pas la faire, il la délaisse. Mais plutôt le contraire, belle, cette chose-là, hein, il nous dit, elle a été rendue nécessaire de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, lorsqu'on parle d'obligation, c'est-à-dire que Allah a rendu cela nécessaire, hein, aux créatures. Donc cette obligation, elle ne vient pas de l'auteur du shir. L'islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, Cheikh Al-Fawzan, mais plutôt elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, fima anzala fil kitab wa sunna, de ce qu'Allah a fait descendre du livre, du Coran, la sunna, la tradition du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, min ilzam al-ibad bihadihi al-masail. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans le kitab wa sunna, hein, en rendant cela nécessaire à l'adorateur en ce qui concerne ces questions, les questions qu'on est en train d'étudier, le tawhid. Qawluhu yajibu ala kulli muslim wa muslima. Donc on a bien compris, hein, l'auteur, lorsqu'il dit ceci est obligatoire à tout musulman et à tout musulmane, Cheikh Al-Fawzan, il nous a expliqué ici l'obligation et il nous a dit que ce mot, ce terme, ne vient pas de l'auteur lui-même. Masail, les questions religieuses, le tawhid détaillé que va nous expliquer ici l'auteur, hein, ces masail, ces questions religieuses, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a rendues obligatoires. Donc l'auteur nous dit obligatoire à tout musulman et musulmane. Aïe, yajibu ala kulli dhakar wa untha min al-muslimin sawa kanu hararan aw abidan aw dhukuran aw inathan. Donc le shir nous dit il est obligatoire à tout musulman et musulmane, c'est-à-dire mâle ou femelle parmi les musulmans, qu'il soit libre ou esclave, qu'il soit mâle ou femelle, femme ou homme, li anna al-mar'a tusharik ar-rajul, naham, fi kathir min al-wajibat. Donc pourquoi? Parce que Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, la femme est associée à l'homme dans beaucoup d'obligations tant que il n'y a pas un dalil qui rend cela particulier, qui spécifie que cela est pour l'homme. En gros, ce qu'il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, c'est que lorsqu'il y a un dalil général, qu'il y a un dalil général pour l'homme, hein, il y a un dalil général,
Tant qu'il n'est pas spécifié que c'est que pour l'homme, eh ben c'est aussi pour la femme. Illa ma dalil bir-rijal, fa innahu yahtas bihim, mithal wujub salat al-jama'a fil masajid. Donc il nous donne un exemple, hein, bien entendu le cheikh. Exemple, l'obligation de la prière en commun à la mosquée. Autre exemple, la prière de al-jumu'a. Mithal ziyaratul qubur fa inna khassa bir-rijal. Un autre exemple, nous cite le cheikh, la visite des tombes, hein, elle est spécifique aux hommes. Wa mithal al-jihad fi sabilillah, exemple, le combat dans le sentier d'Allah, fa innahu khassun bir-rijal. Il est spécifique pour les hommes. فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم. Donc, à partir du moment où il y a une preuve qui vient spécifier que c'est pour les hommes, là ce sera spécifique pour les hommes. Sinon, le cheikh nous dit, sinon, la base, أن الرجال والنساء, c'est que les hommes et les femmes sont sur le même piédestal. Hein, en ce qui concerne les obligatoires. En gros, ils sont au même niveau en ce qui concerne les obligatoires et le fait de s'éloigner des interdits et des autres responsabilités. نعرف به عبادة ربنا. طيب. À partir de ce moment-là, le cheikh nous dit, l'apprentissage de la connaissance, apprendre le ilm, la science, hein, est obligatoire à tout homme et femme, car il n'est pas possible, il est impossible d'adorer Allah le Très-Haut, celui qui nous a créés pour cela, hein, pour le tawhid, sans apprendre la science, hein, qui nous permet de connaître comment adorer son Seigneur. فَهَذَا وَاجِبْ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا أُمُورَ دِينِهِمْ لَا سِيَّمَا أُمُورَ الْعَقِيدَةِ. Donc il est obligatoire. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux hommes et aux femmes qu'ils apprennent les choses de leur religion, surtout les choses du dogme de la croyance. Très, très, très important. قوله ثلاث مسائل. Donc lorsque l'auteur nous dit trois choses, trois questions qu'il est obligatoire d'apprendre. L'apprentissage ici a le sens talaqqi anil ulama wal hifz wal fahm wal idrak hadha huwa at-ta'allum. طيب تعليم. طيب. C'est-à-dire, le cheikh nous dit que cette connaissance doit être prise chez les ulama. Et l'apprentissage, avec aussi et apprentissage, et compréhension, et discernement. Et avec perception. Et avec perception, l'idrak, avec perception. Hadha huwa at-ta'lim. Donc c'est ça l'apprentissage. Donc, Cheikh Al-Fawzan, et c'est très important ce qu'il dit là, il n'est pas voulu seulement de lire et d'aborder la connaissance librement, comme certains l'appellent, le nomment, cela n'est pas de l'apprentissage. Mais l'apprentissage, la connaissance, le fait d'apprendre la science religieuse,
تلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه. C'est le fait d'apprendre avec les gens de science, avec apprentissage, compréhension, perception, parfaite perception. Donc c'est ça, c'est ça l'apprentissage authentique. Tandis que le fait juste de lire et d'aborder un cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant, même si cela est demandé. Le cheikh nous dit, il y a du profit dans cela, le fait de lire, d'aborder les durous, etc., etc. Mais il y a du profit, mais cela n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de se contenter, de se limiter à cela. Le shir dit, il n'est pas suffisant de se limiter à cela. Wala yajuz at-talamiz ala al-kutub kama huwa al-waqi' fi hadha al-waqt. Donc il n'est pas permis d'être un élève des livres comme cela est la réalité à notre époque. Puisque se contenter juste seulement des livres, c'est-à-dire être un élève des livres, cela est très dangereux. Cela apporte cela apporte des méfaits. Et le fait de faire ça peut-être plus nuisible que l'ignorance. Puisque l'ignorant connaît, il sait qu'il est ignorant et il s'arrête à ses limites. Tandis que l'enseignant, celui qui se sent avoir de la connaissance, voit qu'il est connaisseur et il se met à rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, wa yuharrim et rendre illicite ma ahala Allah ce qu'Allah a rendu illicite. ويتكلم ويقول على الله بلا علم فالمسألة خطيرة جدا. Et il commence à parler sur Allah sans connaissance. Cette question est très dangereuse, nous dit Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah. Alors, فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إنما الكتب وسائل. طيب. Le Cheikh nous dit la science ne se prend pas directement des livres, les livres sont un moyen. Tandis que la véritable science se prend directement des savants, se prend des savants, se prend des savants étape par étape. وَالْكُتُوبِ إِنَّمَا هِيَ وَسَائِلٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Le cheikh nous dit, les livres sont un moyen pour l'étude de la science, les livres sont un moyen pour l'étude de la science. Alors, nous continuons avec la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc je recommence du début. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masa'ili wal 'amalu bihin. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Donc la première chose c'est qu'Allah nous a créés, nous a donné notre subsistance et ne nous a pas laissés en vain. Et c'est ça que nous allons expliquer tout de suite.
Bel arsala ilayna rasulan, mais il nous a envoyé, hein, il nous a envoyé des messagers. Faman ata'ah, celui qui lui obéit, faman ata'ahu dakhala al-janna, celui qui lui obéit entrera au paradis, wa man asahu dakhala an-nar, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Tayyib. Donc, la première question, la première chose ici, Naam. Qawlu al-oula. Donc la première chose, la première question qu'il est obligatoire de connaître à tout musulman et tout musulmane, le cheikh nous dit, l'auteur nous dit, c'est qu'Allah nous a créés. C'est qu'Allah nous a créés. Aïe, c'est-à-dire, Aoujadana min adam fanahnu min qabl, min qibl an khalaqna, lam nakun shay'an. Donc c'est-à-dire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, c'est-à-dire que nous sommes partis de rien, nous étions le néant, nous étions néant, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, hein, nous a créés alors que nous n'étions rien. Kama qala ta'ala, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ata ala l'insani hinun min ad-dahri, lam yakun shay'an madhkura. Sourate al-Insan, verset 1. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? On est d'accord. Kana al-Insan qibla an yukhlaq qabla, afwan, qabla an yukhlaq laysa bi shay. L'homme, avant d'être créé, nous dit Sheikh Al-Fawzan, il n'était rien. والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل. Et celui, hein, qui lui a donné vie, qui l'a créé, hein, qui a fait sa présence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, à la suite, nous cite un verset. Et c'est un verset qui est très très important. C'est un verset qu'il faut apprendre par cœur, puisque les savants disent qu'il y a des compagnons qui se sont convertis en écoutant ce verset. Alors ce verset, c'est Sourate At-Tur, verset 35. Sourate At-Tur, verset 35, qui nous dit Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou bien se sont-ils créés eux-mêmes? Sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ensuite, l'auteur nous parle de la, nous fait mention de la deuxième chose qu'il est obligatoire. En fait, non, on est toujours dans la première. On est toujours dans la première. Warazakana, et ensuite il nous dit, donc, Annallaha khalaqana. La première chose, c'est qu'Allah nous a créés. Toujours dans la première parole, et qu'il nous a donné notre subsistance. لما كنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشراب وملابس ومساكن مساكن ومراكب ومصالح. Donc, à partir du moment où nous avons besoin de subsistance, de nourriture, de boissons, d'habillement, naham, de bâtisses, hein, d'abri, de maison, hein, d'habitat, de monture. Et bien entendu, de bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sachant cela, il a justement fait l'alternance, la création pour nous des cieux et de la terre, tout cela, hein, nous dit Shrel Fawzan, pour notre bienfait, pour pouvoir rester. Donc avoir justement les choses dont on a besoin pour adorer Allah dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas. Wa min ajli an nasta'ina bidhalika 'ala ma khuliqna li ajlihi. Donc c'est ce qu'on vient de dire, hein, pour que l'on puisse s'aider de ces choses-là, la création d'Allah, hein, pour pouvoir wa huwa 'ibadatullah subhanahu wa ta'ala.
pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa lam yatrukna hamalan. Ensuite, l'auteur nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc je reprends du début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a donné notre subsistance et ne nous a pas délaissés en vain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a donné notre subsistance pour une sagesse, par rapport à une sa sagesse, sa sagesse. Ma khalaqana abathan. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés sans but, en vain, comme ça, pour rien. D'accord? Qala ta'ala, et bien entendu, la parole d'Allah, hein, le dalil, la preuve, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens de la sunna ne sont pas comme les gens de l'innovation. Les gens de la sunna, ça c'est une parenthèse, hein, je voudrais juste donner une faïda, une parole profitable, c'est que les gens de la sunna ne sont pas comme les gens, hein, de l'innovation. Il y a beaucoup, ça ne veut pas dire que tous les gens d'innovation, ils ne ramènent pas des dalils. Il y en a, ils ramènent des dalils, mais ce sont des dalils hors contexte. Hors contexte, taïb. Mais sinon, la majorité, il y en a beaucoup, hein, ils n'ont pas de dalil. Ils parlent comme ça. Écoutez les doulous, hein, enfin, je ne vous enjoins pas à écouter, mais quand on écoute des gens de l'innovation qui parlent, il n'y a pas de dalil, il n'y a rien. Aucun hadith. Ça parle pendant des heures, et il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith. Voyez? Et ça se moque des gens de la sunna, etc. Alors que les gens de la sunna, vous voyez, à chaque fois, regardez Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ou regardez Cheikh Al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, à chaque fois qu'il mentionne une mas'ala, tout de suite, un verset, un hadith. Taïb. Donc ça, c'est la tariqa, ça, c'est le chemin des gens de la sunna. Ceux qui suivent le kitab wa sunna, selon la compréhension, bien entendu, des pieux prédécesseurs. Et nous avons plus d'un savant parmi les contemporains et les anciens, nous avons plus d'un savant qui ont mentionné que leurs paroles, leurs propres paroles, n'étaient rien, n'étaient pas un argument, mais que l'argument était le Kitabi wa Sunna. Comme nous l'a précisé Cheikh Mokbel Al-Wadi'i, hafidhahullah, dans son livre intitulé Tuhfat al-Mujib, Cheikh Mokbel nous dit, je ne suis pas ana lestu bihujja. Je ne suis pas moi l'argument, mais l'argument, hein, il t'est obligatoire de me demander la preuve. Il t'est obligatoire de me demander la preuve. L'argument, il dit, Cheikh Mokbel, rahimahullah, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, le shir, juste après, Cheikh Al-Fawzan, après nous avoir mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain, il rapporte, il nous amène la preuve, le dalil, sourate al-mu'minun, les croyants, verset 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Et est-ce que vous pensez que nous vous avons créés en vain? Et que vous ne serez pas, que vous ne serez pas ramenés vers nous, que vous ne reviendrez pas vers nous. Traduction approximative. Voyez. Waqala subhanahu wa ta'ala, deuxième verset. Ayahsabul insan an yutraku suda. Est-ce que l'homme pense qu'on le laissera comme ça en vain? Alam yakun nutfatan min man yumna, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Voyez, sourate al-Qiyamah, versets 36 et 37. Nous avons encore un troisième verset. Waqal, wama khalaqna as-samaa'a wal-ard wama baynahuma batilan. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il y a entre eux en vain, hein, comme ça?
pour rien. Dhalika dhannu alladhina kafaru, ceci est la pensée, hein, des mécréants. Voyez. Allah subhanahu wa ta'ala, innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq. Donc Shir al-Fawzan ensuite nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et a créé pour nous les subsistances par sa sagesse, son immense sagesse. Et il y a dans cela un grand but. Wahiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يخلقناك البهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب. Donc Allah ne nous a pas créés comme les bestiaux, hein, qui ont été créés pour les bienfaits des serviteurs, des adorateurs, puis ils mourront et partiront. Puisque les bestiaux, hein, les animaux, ne sont pas responsables, n'ont pas de responsabilité et ils ne sont pas ordonnés ni interdits. Ils n'ont pas d'ordre ni d'interdit. Innama khalaqnali ibadati. Mais nous avons été créés pour son adoration, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dalil, la preuve, sourate Dhariyat, versets 58, 56 à 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. وَلَمْ يَخْلَقْنَا لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَطْ نُعِيشْ فِيهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour cette vie d'ici-bas, hein, uniquement pour que nous y vivions. Pour que nous faisions ce qu'il y a à faire dans cette dunya, manger, boire, hein, et s'étendre, et que après cette dunya, il n'y a rien du tout. Hein, il n'y a rien du tout. Wa innama al-hayat, innama al-hayat. Donc, il nous dit, cette vie d'ici-bas, hein, cette vie d'ici-bas, c'est une plantation. C'est un marché pour la vie de l'au-delà. Lorsqu'on dit plantation dans le sens, on plante les graines de bien. Hein. On plante les graines de bien, on plante les hasanettes. Hein. Wassouq, hein, c'est un marché où on fait du tijara pour l'akhira. Et où on s'agrandit dans les œuvres vertueuse. Voilà c'est quoi la dunya, hein, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Thumma namut wa nantaqil minha. Puis nous mourrons et nous quittons, nous passons, déménageons, hein, de cette dunya vers une de cette vie d'ici-bas, vers une autre vie. Thumma nab'ath thumma nuhasib. Puis nous sommes ressuscités et nous sommes jugés, hein, selon nos œuvres. Selon nos œuvres. هذه هي الغاية من خلق الجن والإنس. Donc c'est ça le but de la création des hommes et des djinns. والدليل على ذلك الآية. آية كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب. Donc le cheikh nous dit, et les preuves à cela, hein, il y a beaucoup de preuves, de signes, de preuves, de nombreuses preuves qui nous indiquent que nous serons ressuscités, que nous serons réunis, que nous serons jugés. Voyez, wal-aql yadullu ala hadha. Et la raison est indiquée, la raison nous indique cela. Fa innahu la yaliq bi hikmati Allah subhanahu wa ta'ala an yakhluq hadha al-khalq al-ajib. Donc, cela ne fait pas partie. Cela ne convient pas à la sagesse d'Allah le Très-Haut, hein, qu'il crée, cela serait étonnant qu'il crée comme ça, hein, et qu'il crée
qu'il fait des arts, des créations dans ce monde, il crée ce monde, il crée aussi l'alternance, etc., du ciel, de la terre, la nuit, le jour, etc., ni Ben ni Adam pour les enfants d'Adam, puis il les laisse comme ça, ils meurent, ils partent sans résultat. Donc cela, hein, cela est faux, n'a aucun sens. Il faut absolument, il n'y a pas de doute, hein, que absolument, cela se verra, il y aura des résultats, les résultats des œuvres dans la vie de l'au-delà. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens qui passent leur vie, qui passent toute leur vie dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance, tout en étant pauvres et étant dans le besoin. Il se peut aussi qu'ils soient opprimés, opprimés. Il se peut aussi qu'il soit vraiment, vraiment serré, opprimé, naham, et qu'il ne voit aucun résultat de ses œuvres dans cette dunya. Voyez? وعلى العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير. Donc, et contrairement à la personne qu'on vient de citer, contrairement, une personne parmi les gens qui est mécréante, hein, qui est athée, qui est parmi les pires des gens, qui est bien dans cette dunya, il est bien dans cette vie d'ici-bas, hein, avec les bienfaits, hein, tout lui est donné, hein, etc. Et qui fait les interdits d'Allah, tout ce qui est illicite, et qui est même injuste envers les serviteurs, qui les agresse, les agresse, et qui mange, même et qui mange même leurs biens, et même qui tue sans droit. Et qui tue sans en avoir le droit, et il meurt dans cet état. Cette personne meurt dans cet état. Et cette personne, il n'aura pas de châtiment de la part d'Allah. Est-ce que cela convient à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa sagesse de laisser l'obéissant sans récompense et de délaisser le mécréant sans jugement, sans rétribution. Donc cela ne convient pas à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walizalika ja'ala daran ukhra, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une autre demeure, où les gens sont rétribués, c'est-à-dire où le bienfaisant sera récompensé et le mauvais sera rétribué pour ce qu'il aura fait. Et à ce moment-là, nous verrons le résultat des œuvres. Nous verrons le résultat des œuvres. Fadunya, Fadunya, Darul Amel. Il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, la vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est la demeure des œuvres. Wa ammal akhira, tandis que l'au-delà, fahiya Darul Jaza. Tandis que l'au-delà, c'est
la demeure de la rétribution, ou bien Immal ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Hamalan. Hamalan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas cela en vain, rien comme ça, sans conséquence. Comme le pensent hein, les athées et d'autres. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, le dalil bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من العلم من علم إن هم إلا يظنون. سورة الجاثية verset 24. Alors, et ils dirent, et il y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. Cheikh Al-Fawzan nous dit ça, c'est les paroles de ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, les athées, hein, et qui ne croient pas à la résurrection et à la au rassemblement. وقد أنكر الله جل وعلا. وقد أنكر الله جل وعلا عليهم فقال يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى a dénigré, les a dénigrés, ces gens-là, les a réprimés, en disant dans le Coran, أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. سورة القلم, versets 35 et 36. Allah Ta'ala nous dit, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Sod, verset 28, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Est-ce que أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا, est-ce que nous rendons ceux qui ont cru et œuvré de bonnes œuvres, nous considérons, ils seront rétribués de la même façon, ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres comme les corrupteurs sur la terre, et est-ce que ce sera la même chose en ce qui concerne al-muttaqin et al-fujjar, hein, les pieux et les criminels, les pervers. Donc on voit bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication de Sheikh Al-Fawzan. Subhanallah, le Sheikh explique très très bien comme quoi, avec les dalils du Qur'an et même en citant l'aql, c'est-à-dire la raison, pour dire que on n'est pas créé en vain comme ça, pour expliquer la parole de Sheikh al-Islam Mohammed bin Abdel Wahhab, comme quoi wa lam yatrukna hamalan, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain, comme cela. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain. Voyez. Donc, لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها أو نقلد فلان وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسولا. Donc ça, inshallah, on va le faire inshallah dans le prochain cours, car on passe à la prochaine mas'ala.
On va juste donner la traduction exacte du verset que je viens de citer de la sourate, sourate As-Sod, verset 28. Dans le Coran, sourate 38, verset 28. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voyez, sourate 38, sourate Sod, verset 28. Voyez. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.